Alors, je vois plus attaquer finalement. C'est pas ça que je voulais faire. Donc ils sortent une unité, elle est morte. Hein. C'est ça qui est bien. Pour l'instant, je occupe son territoire et puis. Et bientôt, je vais m'en prendre dans le dos et ça va être super. Putain, mais j'ai un front de putain de barbares à gérer en plus, ça m'énerve! Peux pas te débrouiller avec une civilisation normale? Non, faut qu'il y ait un campement de barbares qui fasse chier. Ça saoule un peu là quand même. Hein. Promotion disponible, ça j'aime bien. Pendant ce temps-là, Pékin. Prochain tour. Ah, peut-être pas. Non, non, je ferai pas la paix. Hein. Va te faire foutre pour voir. Ouais, faudrait avoir le problème. C'est s'il faut aller raser la gueule des barbares, bah c'est chiant. Nous avons l'occasion d'adopter un nouveau système de gouvernement plus puissant. Oula. Affirmons notre identité et adoptons de nouvelles doctrines pour mieux diriger notre peuple. Enfin. La politique, c'est l'art du possible, du réalisable, l'art de la solution de repli idéale. Allez, changeons de gouvernement. Prenons. Je ne sais pas quoi. L'oligarchie, par exemple, hein. Ça me paraît être bien. Alors.
La cité-état voisine nous adresse une requête. Si nous parvenons à les impressionner, ils nous récompenseront généreusement. Oui, d'accord. Je demande. Former un cavalier, j'y pense. Pourquoi il est revenu là, lui ? C'est gentil de vouloir mourir, mais... Mais c'est con. Oh, une cité-état. Passion pour la formation militaire. Rencontre des cités-états, mine de rien. Toujours pas, hein. Toujours pas. L'autre con de barbare, il arrête pas de produire des saloperies, hein. Putain, c'est chiant. Nous commençons à attirer l'attention des personnages illustres de ce monde. Mais il va sans dire que d'autres dirigeants rivalisent pour faire de même. Plus nous construisons de quartiers spécialisés, plus les personnages illustres seront susceptibles de venir partager leurs talents avec notre civilisation. Je vous conseille fortement d'en construire d'autres. On va dispatch un archer. Vous implorerez Apollon Delphia, parce que c'est moi qui, sous la forme d'un dauphin, ai dirigé votre vaisseau à travers les flots azurés. L'autel, qui recevra de même le nom de Delphien, subsistera toujours. Un oracle. Faisons les remparts, soyons pas complètement fous.
Mais c'est chiant. Promotion incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je foute ? Oh là, c'est un chiant. Pas te déplacer pour voir ? Ah, en voyant un émissaire, je ne sais où. Grenade, tiens, hop. On passe sa vie à essayer de voler une ville pour rien. C'est vrai que c'est vachement plus efficace, hein. Les conneries. On va attendre avant de faire la... Avant de faire la promotion. Vu que la promotion c'est un heal. Autant attendre un peu. Ah, grenade qui a fait la déclaration de guerre. Parfait. La roue. Il suffit juste de la réaligner. Oui. On va le barrer, hein, mes archers, de toute façon. On va pas se mentir. Putain de barbare, il me casse les couilles. Hein.
Ah voilà. Ça sert à rien. À part se faire chier, hein, putain. Putain de conneries. Trois ans pour avoir une putain de ville, quoi. Trois putains d'années. C'est tellement trop long, quoi. J'attaque pas avec une unité, quoi. Un moment, faut que ça avance, quoi. La ville, elle est immortelle. Est-ce que c'est le plus vite que je la tape? C'est quand même une connerie, ça. Pénible. Elle devrait pas se heal alors qu'elle est qu'elle se prend des assauts dans la gueule, quoi. Bien que je fasse des bâtisseurs à un moment quand même. Ouais, enfin c'est chiant quoi. Les villes qui se healent à l'infini, c'est chiant. Puis les putains de barbares qui commencent à me casser les couilles aussi, hein. Putain. Bande de chiants. Chiant de barbare de merde. Eh, hey, c'est pas les alliés des Aztèques, les barbares, à un moment, faut arrêter de me casser les couilles. Tellement la guerre de l'infini, quoi. Mais non, j'ai pas envie de faire la paix. J'essaie de te péter la gueule depuis 1000 ans, quoi. Les gens incapables de trouver du temps pour les loisirs sont bien obligés, tôt ou tard, de trouver du temps pour la maladie. C'est optimiste, ça, comme phrase. Pas envie de faire la paix. J'ai envie de voler ces villes. Hein. De réduire à néant sa civilisation. Et d'occuper le continent tout seul. Thank you.
pas envie. Fais-moi la paix. Va te faire foutre. Merde, il y avait les cons derrière là. Oups. Putain d'archer barbare de merde. En ce temps-là, il crée une ville. En forme, mes guerriers. Il me semble très étrange qu'aucun poète ne se soit jamais penché sur le cas du fromage. Et allez, les archers du pif. Et d'où ils attaquent direct? Coup de ma gueule? Ça va, la vie est belle. C'est pas d'ailleurs. Ah. Tant mieux. Bien que je fasse un peu de bâtisseur, parce que là, on va se voir un peu.
Toujours pas. Ça va, ça avance. Et mes troisièmes archers qui arrivent. Ils seront là, ça ira un peu plus vite. Troisième archer. Troisième groupe d'archers bientôt. Ah, la promotion, parfait. La promotion aussi. Bah, tant mieux. Bon, pas promo, hein. Qu'est-ce que je te dise? Hop. Paf dans ta gueule. La promo. Tac. Non, non. Ah, je sais que ça t'énerve de pas que je veuille pas faire la paire. C'est vrai, c'est pas très sympa de ma part. Le cheval est dangereux devant, dangereux derrière et inconfortable au milieu. Ouais. 36 milliards de citations de Winston Churchill, évidemment. Ça va finir par baisser, hein. Non, mais le bélier il sert à rien. Il va me servir quand je vais me décider à attaquer avec mes unités guerriers qui sont à côté, quoi. Mais sinon, ça sert à rien. Spoonies. Pour l'instant, je joue beaucoup contre les Aztèques, oui. Alors qu'il n'y a pas que. Mais on n'a pas rencontré les autres parce qu'ils sont certainement sur un autre. Regardez, il y a la grenade qui est là. Grenade, c'est mes alliés. Donc s'ils amènent des guerriers pour venir m'aider, ça peut être cool. Eh, la ville, elle commence à morfler un peu, là, quand même. La ville, elle commence à bien morfler, là, quand même. Elle est dans le rouge. Tant que c'est moi le... Tant que c'est moi qui ai le plus d'émissaires à grenades... C'est comme si c'est moi qui les contrôlais. C'est mes potes d'amitié. Mes copains comme... Bon, ça, aménagement recommandé, Alcazar. Quoi ça? Alcazar? Culture plus 2. On va faire là plutôt. On verra. Je remarque, c'est plutôt pas mal, mais...
Là, c'est que c'est eux qu'il faudrait que... Les guerriers aigles, là, qu'il faudrait que je tue. Je peux pas les viser, eux, je crois. J'ai obligé de viser la ville, là. Chaque fois. Et après, il y aura la deuxième ville, oui. Ça risque d'être bien. Ah, super, il m'a sorti une unité de merde qui va me faire chier. Ouais, peut-être qu'il a eu le temps de se faire des villes vers le bas, hein. C'est possible. Hein. C'est totalement possible. Alors vous voyez, hein, l'autre il sort un archer et les deux autres cons, l'autre con derrière de putain de barbare, il nous sort des putains d'unités de merde. Ah, c'est d'un chiant, bordel. Chaque fois. Putain de barbare de merde. Il nous casse les couilles. Violemment. Hein. Genre casse-couilles, les barbares, ils sont pas mal, hein. Mais ils sont si peu en forme que ça, les guerriers, là? C'est quoi ce bordel? Pff, il me faut des guerriers, moi. Il me faut pas que des barbares, il me faut aussi des guerriers. Non, je vais pas pouvoir rentrer dans la ville. Pas bouger lui. Ah. Voilà. Même. Non, faut se débarrasser.
Oui, j'annexe la ville, évidemment. C'est vous. C'était long, hein. Et puis c'était chiant, hein. La richesse. Mais non, on va essayer de se débarrasser de ces putains de barbares qui commencent à nous casser les couilles. Après, on ira finir le travail. Les putains de barbares, ils me saoulent un peu, là. Ils me saoulent méchamment, les barbares. Bref. Non, non, on fait pas la paix. Hein. Pas envie. Hein. Ah, bon bonjour. Dia. É uma honra conhecê-lo pessoalmente. Parece que mentes brilhantes se atraem. Oui. J'ai très l'hospitalité, c'est très mon fort. Allez, bonjour. Des barbares chiants. S'il est naturel de tuer, pourquoi les hommes ont-ils besoin d'un entraînement spécifique pour le faire? Ah. Je suis suzerain. Pas trop d'influence sur ces trucs-là. Tour suivant. Construis une ferme, toi. Voilà, très bien. Construis une commerciale vers... Texcoco. Et bien sûr. Texcoco. Ouais, oh, il fait ce qu'il veut, la steak. On fout.
fasse sa vie. C'est pas bien grave. Une mercenaire avance à grands pas. Bon. On va peut-être changer de production à un moment hein, sur cette ville. Ça serait bien de commencer à faire autre chose. On va faire un campus. Le grand tour. Pourquoi je peux pas faire de promotion? Oh, c'est pas grave. Pericles των Αθηνών εμεί. Καί δεξιού μα σε επέτε δημοκρατία. Bonjour. Hey, on commence à rencontrer un peu les autres, il était temps. Fait toujours pas la paix, hein. Rien à foutre. Mais je mets la pression. Alors, choisir une production. Gère tous ces conneries. Pas grand chose. Libre passage? Non. Non, non. Pas de libre passage. Je ne crois pas à l'astrologie. Je suis sagittaire. Et comme tous les sagittaires, c'est dans ma nature d'être sceptique. D'accord. Alors... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Choisir un panthéon. Oh. Ah bon? Alors. Personnage. Ah oui, mais où? Ah là. Ah là. Le développement de notre armée a engendré l'apparition d'un général illustre dans nos rangs. Déployé judicieusement sur le terrain, ces généraux peuvent changer le cours d'une bataille en notre faveur. Il peut faire quoi? Partager la case d'unité militaire terrestre.
Promotion. Hop, on va faire ça. Et on continue. Le travail. Il a pas peur de balader son bâtisseur comme ça, les... Il va finir par le perdre. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Mais c'est déjà ce que je suis en train de faire, péter la gueule des Aztèques. J'aurais déjà volé une ville. Et j'ai des barbares qui me cassent les couilles. Bon, bon. C'est pas pour tout de suite la bombe atomique quand même. Faisons la théologie. Je vois pas le campement. Quoi ce bordel? Ah! Pas la première. Non, non. Pas la paix. Ah, Gandhi. Vous allez voir. D'ici la fin, il viendra me péter la gueule. C'est Gandhi après tout. Ah, comme ça, ces putains de barbares, ils arrêteront de me faire chier! Saloperie! Ah.
Non, toujours pas. bienvenue, oui, bien sûr. Venez dans ma capitale. Un mec très accueillant. Unité que j'ai mis en stand-by, je crois. On verra. C'est garanti, 100%, ça va être chiant. Les gens normaux estiment que si quelque chose fonctionne...